Madame, Monsieur, bonsoir et grand merci à vous pour la fidélité et les sérieux que vous accordez à nous suivre à chaque fois que nous apparaîtrons devant vos petits écrans. Je suis donc heureux de vous présenter ce nouveau numéro de l'émission Sur le pas de la vérité. Vous allez peut-être vous souvenir de ce cadre pour ceux qui sont fidèles à nos émissions. Il y a quelques semaines, nous étions ici, nous avons reçu quelqu'un qui parlait de Corona, mais on vous avait promis finalement de revenir pour parler d'un message. Ils prétendent avoir la pureté du message de Jésus-Christ. Ils pensent que c'est eux qui sont des saints alors que les autres ne les sont pas. Ils disent être les vrais chrétiens au-dessus de tous les autres. Qui sont-ils exactement? Madame, Monsieur, ce soir, je vous amène à la découverte des assemblées des saints. Est-ce qu'ils sont des saints des derniers jours? Est-ce qu'ils sont des branhamistes? Est-ce qu'ils sont des occultistes? Est-ce qu'ils sont des chrétiens des mouvements des réveils? Nous parlerons des assemblées des saints. On reviendra sur le socle de cette assemblée, c'est donc le message éternel. Ils disent avoir un message qui s'appelle message éternel, nous scruterons là-dessus. Quoi de plus normal que de recevoir un pasteur, un père des assemblées des saints? C'est le docteur Kalo Kabunda. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Dieu fait grâce et nous allons bien. Grand plaisir de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro. La dernière fois que j'étais dans cette émission, vous m'avez dit aucun enfant de l'assemblée des saints n'était touché par le coronavirus. Quelques semaines après, jusque-là, la promesse tient, aucun enfant n'est... On ne vous a pas appelé, vous n'avez aucun membre qui est touché par la maladie. Oui, merci pour la parole. S'il faut revenir à votre question, d'ailleurs, je vous informe que, par contre, il y a un couple, un docteur dans l'Assemblée des Saints, et aussi notre enfant, avec sa femme, qui sont guéris, comme je vous avais dit, si par accident, un enfant de Dieu, un saint est touché, il sera guéri. Donc, il est là, il donne d'abord son témoignage presque partout. Il est guéri et sa femme. Ils étaient touchés par le corona. Touchés par le corona, ils ont fait à peu près 26 ici jours là-bas. Ici à Kinshasa ou là? Ici à Kinshasa, il est passé même sur RTNC. Nous avons des photos, vous pouvez voir. Il envoie même les vidéos à tout le monde. Pendant que je parlais avec vous, il était déjà là-dedans. Je ne vous ai pas dit, mais comme Dieu nous avait dit qu'un véritable saint, s'il est touché par accident, il sera guéri. Et aujourd'hui, ils sont sortis il y a une semaine, si je me trompe, une semaine ou quatre jours. Déclaré guéri. Complètement guéri. Donc vous maintenez que lorsqu'un enfant des saints est touché par cette maladie, d'abord il ne sera pas touché, si par accident, il sera guéri. Tellement que ça vient de Satan. Et nous avons reçu le pouvoir de chasser et de guérir. Je vous ai dit que Dieu peut passer par la médecine, Dieu peut passer aussi par la prière pour guérir et les bien-aimés guéris. Docteur Kalo, Malasuka Toyakiawa, ton prometteur Bato Bauta Abiso que ton fond la chapitre Moura Mounene. Sur les assemblées des saints, Bandero Bauta Abiso, Baye Bibinoti. Il y a beaucoup d'interprétations autour des assemblées des saints. Assemblée des saints Boza Banani. Ok, na sepeli pona malobawana bandeko obazota la biso balingi ba découvrir église des saints ou assemblée des saints Boza Banani. Là, il faut que nous balamoko na 1 Corinthiens chapitre 14, si vous permettez. Je vous en prie. Na kotanga po bay na définir bino. Après, c'est notre définition. 1 Corinthiens chapitre 14. Nazozoa verset 32 jusqu'au verset 33 seulement. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Donc, pour Nakozongela, aux autres que église des saints, to assemblée des saints, et ça les combo moko boyete, batuba sangani, balobi ko bandalelo, communauté nabiso, te loko nabiso, to ko bengango, église des saints ou assemblée des saints, non. Tambaso benga assemblée des saints, et l'inko la kisaka kete, continuité, il y a église Oyo, et Zalaki, Nabab,
apôtre, Naban Thomas, continuité Nango. Donc le nom Assemblée des Saints, vous le trouvez dans la Bible. Ce n'est pas une dénomination personnelle. Non, non. Ça le rocher, la trompette de Jésus, la main de l'Éternel, Loire Ministry, Kakienza Ministry, Sony Ministry. Oyo nyonso moni wana wana ezali biloko ya batu baza kopesa bakombo na bango ne loko na bango lokola biso ezali loko na biso te to trouve na Bible ke ba oyo basanganaki ba oyo bandimaki liteya ya ba apôtre baza kobenga bango les églises des saints loza kombo moko boye to pesi pa comme ba kinyonso donc église des saints nikola kisaka ba oyo Bazali kolanda liteya oyo bantoma bateki parce que soki ndengo vandiwana soko zolanda liteya ya ba apôtre te obozo sala nyonso eza ya satana parce que bwana kati ya prière ya Jésus te na prière ya Jésus na Jean chapitre 17 Jésus alobaki boye que na pesi bango liloba ba garder liloba wana sauf le fils de la perdition wana li baby maintenant a lobi ke nzambe nazo sambela po na bango kaka bango ba potre te na ba oyo nyonso ba kondimela ngai a travers bango po ye ba kondimeli Jésus il faut un enseignement des apôtres donc tout ce que vous faites organisation nabino ne faut pas être en contradiction avec le loko moko bantoma bateyaki. Donc les assemblées des saints ou des églises des saints est différent naba batu basangani ba mibengi que nous sommes les saints des derniers jours dans la Bible était voilà. Lorsque vous dites que vous êtes des saints, comment pouvez-vous prétendre être des saints alors que la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu? La sainteté n'est-il pas la qualité réservée à Dieu lui-même? Mais yomutoboye ozolobake oza membre assemblée des saints et puis ozobenga batunyo surtout ba saints. Comment justifiez-vous ça? 1 Corinthiens chapitre 1 ezakolobaboye elobi à partir du verset 1 d'abord na 2. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, OK, to likito zuide à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. C'est-à-dire, saint otozoloba awa, oyo batifoba saisir bien. Et lui, il a dit que les alliés sont parfaits. Moto oyo azana mokili na monde tango azo recevoir évangile éternelité ya solo ezali ko séparer ye na monde monde pona biso ezaka ka ba paganu te monde pona biso ezana ba enyonso yo bazo benga mababenga na kombo ya église mais babua ki lité ya ba apôtre eza monde mena tango zo se séparation na eloko wana c'est-à-dire ezo sala séparation wana c'est ça ce qui fait de toi un saint c'est-à-dire o se séparer na monde pona ko atteindre perfection donc o nyo soza mise à part. Oyo nyonso nzamba bengiye alongoliye na ba biloko ya batu alongoliye na kosangana ya batu na bizele ya batu azwi appel wana vocation wana bazo benge un saint par rapport ya monde or elakisi te ke moto wana aza parfait donc abandi marche alongwe na mokili à cause ya vie évangile et évangile de la vérité maintenant abandi marche na ye vers la perfection donc c'est ça être un saint. Vous parlez de
l'évangile des apôtres. J'entends ce discours également chez les gens des néo-apostoliques. Vous êtes pareil? Parce qu'eux également basent leur foi sur l'enseignement des apôtres. Mami Pesakout Église comme néo-apostolique. Bando Bandi Koloba, évangile des apôtres, le message des apôtres. Eux également, ils basent leur foi sur le message des apôtres. Tolevé ma confusion. Donc, Boza va ma passe en néo-apostolique. Boza va en néo-apostolique. Pour bien surtout Bozo, le Mambouyaba. Apôtre, tout vous a différent. D'accord. Mais tant que nous avons dit 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 que nous avons très important. Nous avons dit que nous avons dit dans Ephésiens chapitre 2 pour pourquoi nous avons tenir le discours. Dans Ephésiens chapitre 2, ce que nous avons dit à partir du verset 18, tu es dans verset 20. Okokuta kenzamba za koloba kuna ke biso ce qui me pousse à koloba makambo wana na verset 20 le biboye. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça c'est un. Deuxièmement, pourquoi zo kanga na zo ba mingi bapotre 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 na lingina tangi lo verset wana, c'est très important aussi parce que na lobeli ango bande ko bele ba reprocher que la fois passée tu parlais avec dans l'émission Mosaïque ko pesa biso ba référence te. Alors na trouva que na pesa yango pona na clôturer Jean chapitre 17 tango zali ko tanga na zali na verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, Jésus tangwe na mukili. Malobana nyonso a déposé yangwe pa ya bapôtre. Maintenant, sali prière à lobi. Pour oyeba ko croire pa na ngai, on dit nelingai, il faut premièrement oyoka bapôtre. Maintenant, bapôtre baba qui s'acquitte, peut pas retrancher quitter. Donc, ce que tu Apocalypse, c'est parce que Moutoukouma qui peut Apocalypse, aza qui n'a l'ité ya bapôtre. Aza kolobi, o bakisate, o longolate. Mais, baoyo tangiwana, d'abord, kope sa kombo. Nous sommes néo-apostoliques. Yo tangi na Bible, awa. Des versets n'ont pas clôturé nango awa na likambo acte des apôtres pour na pesa ide nanga acte des apôtres chapitre 17 wa nezape pour na bolamu ya bao bazolanda pe biso nana verset 11. Ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Maintenant, tant qu'on a vérifié l'écriture, c'est-à-dire ce que les apôtres ont bâti. Tant qu'on a vérifié, naba oyo bengi néo, na moni ke ba apôtre, ba salaka organisation moko boye, ba pesi ango kombo néo apostolique te bloko nyonso wana te. Ce qui veut dire, ezali imitation. Ils allaient enseignement à l'apôtre. Deuxièmement, l'apôtre tango bazai kotambola balata ki bilamba un peu de noir na un peu à pembete. Donc baza ozola kisake ténèbres na moi pembe. Donc bazala kana uniforme mo côté. Ce qui veut dire néo apostolique o bazo benga néo apostolique wana. Ça n'a rien à voir avec l'église des apôtres. L'église des apôtres, c'est l'enseignement, ce n'est pas un nom. Yango moni bango bazoki lité na Jérusalem. Tango batikalaka bakomaki na mirité que biso to commune apostolique to bapisa. Non. Parce que l'église ya Jésus ezotikalaka ka ya Jésus moko na kombo na ye. Donc eza néo apostolique té. Nous ne laisserons pas parce que bango bazuka ka kombo wani fo kende. Bandeko bako landa batanga na Esaïe chapitre 4 verset 1 bakokuta ke batmususu bakozwakaka kombo metango bako mebazana bile ya bango moko bilamba na bango moko me bakozwakaka mobali pona kombo ne soit disant
néo-apostolique, ça c'est une organisation de gens qui n'ont rien à voir avec les enseignements. Ils sont en contradiction avec les enseignements des apôtres. Docteur, oui. Avant tout que nous approfondions, nous avons tout le monde qui veut, quand même, la confusion. Batou va confondre, il n'y a pas trop dans les saints des derniers jours. C'est quoi la différence? Est-ce que vous êtes des mormons finalement? Parce que, bon, on va parler de l'approche au niveau de l'enseignement. Quelle est la différence entre vous et les saints? Eux sont également des saints. Ils se disent être des saints des derniers jours. Vous, vous êtes aussi des saints. Ça crée un peu de confusion, un peu de trouble. Est-ce que vous êtes pareil ou vous êtes différent? Naouti Kozongela, bien que un saint, Motonion soit yambilité et ya solo, automatiquement ça séparé du monde, baso bengaye un saint. Donc, deuxième chose, ce qui bato basangani, babengi lingomba na bango, que Tozali bassin il y a dernier jour, c'est en contradiction même avec les apôtres. Les apôtres baloubi, que Onion soit en dimilité à Zokomal, en dimi, à Zassa. Mais Batikali, Kosa, la dénomination, va commis que Bisso, les saints des derniers jours. Alors tu vois qu'il y a une confusion. Batebele, Bakanisaka, que le corps a mis en commun, a battu, a fait sa combo dans la communauté, a pensé que l'église des saints, assemblée des saints, c'est la même chose. Alors, ba oyo tangi, ce qui ba saint, les soi-disant bassins à dernier, soi-disant bassins à dernier jour. D'abord, un, c'est la perversion. Nous avons lobby que les églises des saints. Mais bango siko bazu yango ba mi bengike et comme combo ya communauté na bango. Quand on dit le saint biso eza combo ya communauté na bisoté. C'est pourquoi il y a des choses. Église veut dire ba se retirer na biloko wana. Ensemble veut dire les réunions. C'est-à-dire ba oyo nyonso ba bimina mate ya lukuta. Babimina babiloko le biloko tangi tangi wana babimina kati automatiquement bible zo benga bango bassin mais tango bazo sangana ezali na kombo moko boyete o kombo songolo ne tutor ba non et ça c'est maka ko loba que par exemple pour na meilleure compréhension yo za journaliste tokoki koya quelque part balobi réunion tokoti na salle moko bona salle wana eza na réunion ya ba journaliste. Ils attaquent Bopesi et Sanganela bien à combo que réunion des journalistes. Donc, et si quand nous sommes sur cette moni combo, tu comprends de quoi nous sommes basés? Ce qui est comme Bopesi, la main de l'Éternel, la gloire de Jésus, Jésus source de vie, le peignel et les autres. Bon, omoni yeso azala ki mosakoli. Aye ba ki comment ba combo nous sommes Bopesi wana. Ngai nazane lok moko biso soke na kati ya mukanda toujours 1 Corinthiens 14 à partir même à verset 31 le bana nzambe za ko tune tunike est-ce que bino boza batu ya liboso ya kondima liloba est-ce que liloba ngo ekaka pa na bino moko eliko la kisaboye ba onyoso ba ye ko pesa ba kombo oyo ba zo trouver na bible oyo za ko embrouiller peuple parce que moi na mso avandi abi mais papa me betele la kisi boyet mais nde ko ni fo fongola biso abitu mais avant pasteur na ye to mokambi na ye a pesa kombo ya betel est-ce que za na bato bate ya ka avant na avant ye te ba o bible père reconnaîtra ki que bazaki bate ya solo. Ba yebaka kombo ba kombo nyoso wana te. Pona nini batika la kopesa te. Et puis ba interdire biso ke to pesa te. Do lelo loko kaboli batu lelo ezanini. Yoza mutu ya wapi? Onga na mutu ya Betel. Na mutu wa boye, mutu wa boye. Ezabani mutu ba igiza pase ka bundi. Na mutu asoni ka futa. Na mutu ya esperance mbaka. Ezala ki ezaba plein ya satana po ekabola batu. Yango komo na motu mosozo zote ya yalbi ah azamu tu epa na bisote azamu tu epa na bisote yango ne na zongere pona lobake église nyonso zomona ba komi kombo
bana na long chemin à faire pour ba rejoindre donc l'itéa ya ba apôtre et longo la bango biloko wana. Allons maintenant en profondeur. Là on a levé les équivoques sur les confusions sur les ceci. L'église des sœurs est construite et bâtie sur un message. Vous dites de ce message-là que c'est l'évangile éternel. Parlons-en. C'est quoi l'évangile éternel dans votre conception, vous? Bon, merci. Tant que vous avez la conception de Bissot, c'est un langage de journaliste. Mais, c'est un langage de la conception de la Bible. Na Bible, évangile éternel, c'est na mukanda bengi Apocalypse chapitre 14. Nazobanda na verset 6. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes nations, à toutes tribus, à toutes langues et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Et un second ange qui suivit en disant, elle est tombée Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin et de la fureur de son impudicité. D'abord, mon évangile éternel, et outil, invention à Batouba inventé. C'est le qu'on a inventé, c'est dans la Bible. Raison pour laquelle, ce qui m'a dit, tant qu'il y a mon nom, c'est dans la Bible. Et le qu'on a mis, c'est que l'évangile est tenu à annoncer le biloko misat. Et le qu'on a mis, tant qu'on a mis, c'est l'évangile éternel. Et le qu'on a mis, c'est l'évangile. Comment gâter? Moto azobo manzo to pamba. C'est-à-dire ata muto ale sakayo, ata muto ana ba titre moko boye, ata muto alengi sakanini. Soko liyun ko yebisa ye likambo ya Yesu ko banga yete. Oko banga kaka muto yo abomaka molimo. Donc muto azana na assemblée des saints ba intimidara yete na makamonza. Mais donc ozo l'exalère. Oko ki donc ouais parce que l'assemblée tenait c'est un esprit, l'évangile tenait c'est un esprit. Le chocolat évangile éternel, moto azali boso nangaza na mbonga za nanene ako intimide ngate. Yami balé. Évangile zo la kisabiso que toko dénoncer Babylone. Donc toko dénoncer le mal. Mal en français té. Parce que tant mabiko dénoncer mal, na ka batem so ndenge bazo té ya malawa. Ba té ya mal lokola ba catholique pe ba té ya mal. Donc, il y a un ganga qui a un mal. Et là, on a mis ça tout parce que l'évangile est d'abord la question de l'intimidation. Il y a mis balé et ça qui a été dénoncé Babylone. Babylone, c'est le mal. Et là, on a mis ça tout, qui a été annoncé Batou. Il y a dénoncé Babylone. Il y a mis ça Babylone que ceux qui ont dit l'évangile, l'évangile, ba kalamingi tenzamba ko exercer jugement les colonnes. En bref, c'est ça l'évangile éternel. Voilà. Toke de biloko moko moko. On dit de vous que vous avez un évangile de condamnation. Je comprends d'ailleurs tant aux hommes la biso que dénoncer le mal. Pour vous les églises de réveil sont démoniaques. Pour vous les Sony Kafuta, les Albert Kankienza, les Espérance Mbakadi ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des païens. Mais ça ce n'est pas comprendre la Bible. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui dit « Ne jugez point, sinon vous ne serez jugés » Est-ce que ce n'est pas Dieu qui dit « Laissez le blé et livrez quoi ensemble, lorsque le maître de l'œuvre viendra, il les séparera » Dieu vous a-t-il installé sur la terre des hommes, vous, avec votre évangile éternel, comme des juges, en violant même sa parole, ou Dieu vous a installé comme des procureurs? Boza banani finalement, au regard déjà et au fait que vous êtes là pour dénoncer. Bon, Nazaline... comprendre que quelque part aux salles à moi confusion mouquet évangile éternel et s'attaque et attaque à motote raison pour laquelle tant aux oyo kabiso tout temps à combattre bino à jouer ni botan à bakombabat
Évangile éternel, Ezali, Babylone, Ezali, qu'on dénonce le système babylonien. On a bien ça, le mal. Pour te dire que l'évangile éternel n'a rien à voir. Non, mais parce que vous les calquez sur le mal, c'est ça le problème. Non, le mal, c'est quoi yonde foye ba qu'est-ce que le mal? Allons-y alors, c'est quoi le mal? Eloko ba bengi mal en évangile éternel, parce que Jean chapitre 17, ototangaki, yoka prière ya Jésus. Jésus, dans sa prière, a dit que na sengi yote olongo la bango na mukili. Mais o sunga bango o te bango contre le mal, o préserver bango contre le mal. Donc mal ezaka moko pamba. Alors malango ezani na di commandement ya Jésus ya nzambe na Exode chapitre 20 et lokwa libosse ezali que okosambela nzambe mususu te kaka ye. Or Jean chapitre 1, verset 1, Tina 3 et le B. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Donc en réalité, Oyo mobe konzambe a interdire Ezali, soko zana lete ya mabe. Donc on a déjà konzambe la nzambe mo. C'est ça le mal. C'est ça le mal. Mais justement, la mauvaise parole. Ozo rejoindre nga kaka. Tenande genini. Ozo lingo ki mangai mozo rejoindre ngai. Nazo ya dans le mal là. Pas jusqu'à présent n'abi que zo comprendre mal té. Mal les akola kisanini. Na otiko la kisayo na la kisiyo Babylone. Na la kisiyo Babylone par exemple. So ki na moni. Na Matthieu chapitre 23 ototanga ki no la fois passée. Na verset 23, Balobi par exemple, na lingo yoka ke, na koko se metra wa te bisumi balé, na zote ya Yesu, na te ya kakombo abatu te. Wana na pesi batu, na munoko nanganga na te ya kombo a Yesu ya batu te. Et tango na zali ko denonce le mal, na zo denonce batu te. Na za denonce o ya biswawa, se me pandenga yo bengi kondane, te kondane. C'est un jugement qui est fait et n'a conclu. Bonjour la Tchangonzoto, dans le fait des années yango. Non, n'a rien à ma preuve dans la question qui est la condamnation. D'accord, n'a rien à ce que sa condamnation est ici. N'a zo fungola motomisu kola kisaye, tala vrai Dieu, c'est-à-dire tala le vrai enseignement. Ça n'a rien à voir n'a condamnation. Yango n'a zo vaké, tala par exemple la Matthieu 23, tous on a un exemple. Dans Matthieu 23, à partir du verset 23, Balobi Boye, malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme. Batan ke bat, bafouta ka dîme. Bilo konyos. Baye ko bakisa, nasimina d'abord dîme. Nazon isko na verset 16 de sous, nazon ka ba partir ba verset. Malheur à vous conducteurs aveugles, qui dites si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Malheur à vous, conducteur. Bazo ben gabiso, ba hypocrite. Maintenant, il y a ce qu'il y a mis ça. Il y a ce qu'on a mis ça dans les années. Il y a ce qu'on a mis ça dans les malheur toujours. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Parce que vous rassemblez à des. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements et de morts et de toute espèce d'impiété. Dans ce qu'on a dit, à l'obi, Jésus a dit malheur. À ce qu'on a dit, malheur est un injure. À ce qu'on a dit, malheur. À l'obi, na bango ke. Bozola taba robi ya bami robi milai na Matthieu 23 na toujours bolingi ko zala na balier public ba mona bino et puis ko sala de longues prières dans le lieu public. Mais tant on a mona par exemple ba apôtre après avoir une ancienne alliance na moni apôtre moko te ba moko lata bazambala ya milai.
Eke na moni mutozo la tango lelo. Ata zao église de réveil, tout ça, d'abord église de réveil, tout ça, tout le bango après. Ta on a moni la teliwan, il faut na la ksabana nzambe kete, et la telu eza ya ancienne alliance. Na nouvelle alliance, la ta chemise, nyo so pola ksa goza moutu nzambe, osa na mona desente. C'est-à-dire, tozali ko éclairé peuple, tozali ko éclairé na moutu nyo so azo yo kabiso, mais toujours condamné, toujours que l'idée est solo yangoyo. Non, mais le problème, c'est que vous aussi, vous êtes tellement orgueilleux que c'est ça le problème. Je l'avais dit la dernière fois. Vous prétendez que seul l'évangile que vous défendez, vous, est le vrai évangile. Bisso Batokenda à l'église des réveils, Bisso Batokenda à Philadelphie, Bisso Batokenda à Mangembo, Bisso Batokenda à Bethel et pas Moïse Mbié. Bisoba tokendaka aseka et pas mukuna. Bisoba tokendaka et pas kabundu alesa. Bisoba parce que nous n'avons pas adhéré à votre évangile éternel, vous dites que nous sommes des païens. Bon, et ça vous ne vous empêchez pas de les dire. Osan on a problème parce que zorba makambos on me dit que nazo solo na yo mozo saisir en cas difficile. Madame Binoboy. Évangile éternel dans la Bible, ça d'abord il y a bisoté, ça c'est un. Ce qui yo penson di melinzambe ya solo. Nzambe fo la kiso ke e comment na Bible. Parce que nous avons dit que la Bible est une Bible. Et là, nous avons balé. Nous avons dit que quand la Bible est en train de se faire, il faut que la Bible soit en train de se faire. Nous avons dit que l'Église est en train de se faire. Nous avons dit que l'Église est en train de se faire. Donc, ils sont en train de se faire. Ça, c'est. Il faut que nous retrouvions la Bible. Est-ce que l'Église est en train de se Bible? Ce que nous avons Oso sola yo moko. Ya misatu manière ya côté ya évangile éternel. On a ça que définition. Eteyeli. Évangile éternel monsieur Piero. Ezali un kolakisa yo ke Bible de Genèse Apocalypse ezali parabole. Nzamba komiango na énigme. Ngate nzambe moko alobiango na Matthieu 13. Que a komiango na kubombana. Alors, esengeli évangile éternel ezala pona kofungola mabombami ya Bible. Yango na ndebolo baka le comment, le pourquoi, ce qui dans les cas des choses, c'est ça le problème. Na ebsa que la fois passée que ozo comprendre manière ozo yela wana. Mais il y a aussi maintenant d'abord que na évangile éternel tozo ba makambu cholo bawana. Par exemple yo soko fungoli Bible balobi montagne ngomba babi ngomba yo omona motemu sa zote ngomba ngomba mais ngomba eza lokola mangengenge voilà ngomba eza lokola Kilimanjaro biso tokola kisoka na Bible wana ke tangu nzamba lobi ngomba alobi ezali affirmant que sa parabole est lissée. Ngomba et la question moto. Tout la question na Bible. Tango donc, bino bosuka kana lecture te bokenda kana makambo le bomba mina sima lecture. Soko suki na lecture okufi. Parce que babi l'écriture ti. Nde siko zoma tozo biso ke eza masanga ya bakufi. Makambo na soko biso na bi ke eza masanga ya ba mort. Parce que tant bakutani na ba conducteur lokola bana boyebite ya secret nyonso eza sima ya verset nyonso virgule nyonso de la Bible bazaba perroquet o bazali ko réciter tango bazo réciter batu bakufi donc ba manquer connaissance mon peuple meurt par manque de la connaissance connaissance on a zoloba eza ya kokanga na mutu na yo verset dans les écritures te ya théologie te non mais théologie eza ya kokufa eza na posa écoute un évangile éternel peut découvrir certaines choses en bref ngena loba ke tang bazo benga biso ba orgueillé eza kaka moto yo azali na écoute te moto yo a approché te ne tu approché biso ayo ki makambo tozo solola parce que moto mususu azote ya baere tango kola seke nde kote tala lero yo kosimbaka bakan lero yo kolataka ba nini ya milayi kolataka bekulusu lero yo tango zolo ba bongo
c'est fini. Donc, moutona komono ke no, osa orgueye, parce que la kisiye ke anamabe. Or, orgueye sa moutoyo azo mimona supérieur na yon évangile éternel, bate évangile éternel, mimona ka supérieur na moutoute, au contraire. Balak sa kaka moutouke, awa eza erreur. C'est que yé moutouana, par manque d'humilité, ne a qualifié que, oui, à l'accès à l'erreur, à café que non, vous croyez à une supériorité. Bazo signalé que tu comme comme la souka, je ne comprends pas, on dirait, tant qu'on est qui m'en dirait, je ne peux pas imaginer qu'à chaque fois que Nayakawa, on dirait, n'a lié à Kamouke, tant que tu comme Luka, tu comme en profondeur, RKI. N'alignez tout le l'évangile éternel face aux incompréhensions, il y a l'évangile Moussous. Au lobby awa que bino bokindaka au-delà de l'écriture. T'es au-delà, t'es. Au-delà, oh, mami. Donc, bino bokona wa ezala sima. Donc, yom tolobi l'écriture, tu non. L'écriture, c'est de l'écriture. Bino bokindaka au-delà, y'a pas écrit. En quelque sorte, tout le monde a l'ingala. Parce qu'on se voit loin, on a l'ingala pour ton ami. Bino, bomona ka oyi bomba mina sima na mozindo. Ah, na mozindo na likomi. Donc, c'est pour la bino. Il ne suffit pas de dire Dieu a béni le ciel, mais encore faut-il savoir le ciel en question. C'est quoi Dieu ici veut dire, c'est ce que vous voulez dire. Mais ce que. Et cela que vous vous basez votre message sur le comment, le pourquoi. Donc, la Bible, il faut nous donner à comprendre comment, comment, pourquoi, comment, tout ça, tout ça. Donc, moto soka tangi Bible, netio, par ton intelligence, tangozo tanga Bible, c'est bon ozo comprendre. Mais le col en Zamba Pesaki, Ephésiens chapitre 4, verset 9 jusqu'au verset 19, Manda yakope so profondeur, toko longo la voile, chaque verset de la Bible est en voile. Yenda zo longo la voile ouan. C'est ça l'évangile éternel. C'est ça l'évangile éternel. Et so peso zo la vraie pensée de Dieu dans chaque écriture. Donc l'évangile éternel, c'est prêcher la volonté de Dieu. L'évangile éternel, la bosa ko longo la sous voile moko. Bonjour Balana Wapi, na message d'Abraham. Parce que finalement, on a l'impression que vous êtes aussi des branamistes. Mais d'abord, Ozo Bengango, tant qu'on est déjà branamiste. Mais c'est différent, il y a un mormon, un bételiste, pour que la question un évangile éternel, un, et les vagagaka combo ya Jésus. Mais les branamistes, en dehors, il y a combo ya Jésus. Et ça, d'abord, il y a un branamiste. Nous, on élève que Jésus. Donc, tant que vous avez un message à Branham, on est déjà que branhamiste. Je sais qu'il y a des branhamistes au bazar modéré. Il y en a aussi. Mais on va faire voir que Tozali ata pembeni ata mokete. Des fois, on va faire un boulot. Pour ceux qui, par exemple, Mosengo, ba catholique, ba tiaka que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et dans la Bible, même démon a se reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Parce qu'on gagne na koboy a kondima Jésus-Christ est le Fils de Dieu parce que bimina monoka démon te. Biso c'est tout ce qui est l'écriture. Il est demandé à tous les saints na l'église nous sont partout bazali. Parce que yeba que ba saint bazaka ka isika biso tozate. Même na catholique na protestant presque partout là. Ba saint na katia makanisi na nzambe baza. Mukolo bako yo kalite ya solo bako bimana biloko ezaya bato. Un saint, c'est celui qui a reçu la vocation, l'appel d'équité nakatia biloko a bato. Vous n'êtes pas des banamistes et vous ne croyez pas au message du frère Banam. Mais d'abord, tant nous sommes, comment ngai na croire le message à Jésus, parce que nous croire le message à Branham, c'est diabolique, satanique même. Charnel aussi. Mais Branham, son message, c'est justement le message de Jésus. Oh, mais n'a rien à faire voir yo boye. Batunyo, même bato tangi ba mormo ba bete. Tous ces gens-là lisent puisque dans la Bible. Mais maintenant, est-ce que Bazali na évangile esprit longolaka ba voile sur chaque écriture? L'évangile éternel enlève le voile sur chaque verset de la Bible. Docteur Kalo, oui. Église de réveil. Ouais. Biso toza ba membre église de réveil, ba ngonde ba tondia ba ngonde 2 mètres église, 3 mètres église.
par rapport à l'évangile éternel, quel est le regard que vous portez sur les églises dites les églises de réveil? Église dite de réveil. D'abord, hein, église et qu'on connaître réveil. Église et yambaka déjà moli momo mon santu. Et église nakatia moli momo mon santu. Et qu'on zala et qu'on se réveille. Mais tango bozo loba makambuya église keke dites vous. Je sais que nailoko waneza organisation ya batu. Batu ba s'organise, ba pesi kombo na bango, église na bango. Ça n'a rien à voir avec Dieu dans cette histoire. Mais toute organisation humaine, quand elle est en contradiction de la Bible, n'a rien à voir avec Dieu. Et les églises réveillées sont en contradiction avec la Bible parce que ba mi pesi kombo. Mais na lingi na zongi la po na yebi soki. Na zongi la po yoka bien. Oyeloko nyonso yo batu ba s'organiser en dehors de la Bible. C'est pourquoi okomona même plus tard ba musu ba kolata ba chapelet. Ba musu se okoma kolata. Bazola ta déjà. Ba basere kola ba sango. Ba constater kaka baza bana ya mwasi wana catholique bazonge pa ya Babylone. Mbebi loko biso so olobi so zo attaquer mutoto bike omoni ndenge nini bakomi kolata ba nzambala kolata na ba chapelet donc ba kosana kikaka baza bana basi ya mama na bango Babylone dans l'évangile éternel les apôtres que non et la teluana eza ya Babylone c'est ça l'évangile éternel. L'église catholique c'est donc Babylone. Église catholique. Oui, bien église. Mais maman, il y a l'église de réveil. C'est l'église catholique. L'église catholique, c'est vraiment diabolique, satanique. Mais l'église catholique, c'est maman, il y a l'église de réveil. Parce que l'église, c'est la réveillée. Yeah, maman a bangonde catholique. Donc, maman a bangonde catholique, les satanistes. Mais maman a bangonde. Au moins, tu sais que Bakobi Kolata, la maman a bangonde. Est-ce que yo na Paul Nazam, au moins, mutu biso tu mo lata mulimu monsanto kolata bazambalate. Oh, nous sommes niwana, ça n'a rien à voir avec ma monsambe. De ma kambo tozola qui sabana nzambe a solo que bolongwana fanatisme. Botique à la derrière ce qui est écrit, selon Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, d'examiner et de croire à l'évangile éternel. Parce que l'évangile éternel, en abandon, est-il dans la église de réveil? C'est ça. On va terminer pour cette émission, pasteur. Je ne sais pas pourquoi, avec le goût d'inachevé encore, je voulais vraiment qu'on revienne, mais on me signale vraiment que notre temps est arrivé à la fin. Docteur Kalo. Bandeko ba kotala yo. Bandimi ba kotala yo. Assemblée des saints Ezali. À côté assemblée des saints Mangomba Kili Kili et Ali. To retenir nini le lot. Pona bato ba zana assemblée des saints. Oba na Mangomba. Okoloba nini. Baba toa satana. Baba pagano. Balongwa bisika ba Ali. Ba an évangile à solo po ba bika. To bandima yesu kune sika ba Ali bako bika. Message est un nini pour la bande de Kobanso et belle et baoula d'un seul ami. L'évangile éternel, les alliés, évangile yaba milieté. Deuxième chose, osa ko poser nga ba question na banza ke tozo tourner kaka autour ya likambo moko moko wana. Réponse est zaka moko pamba. Eza que être ensemble des saints ou église des saints. Eza komo moko boye. Oyo bato basangani ba pesite. Ezaka lisanga ya bato bandimi liteya ya bantoma. Alors, eloko na koloba ezaka bandeko nyonso bisika nyonso bozali. Bazala ba denomination. Ba o nyonso bana bisika yo mutozo tanga terme no anangana tanga onamte. Ba o nyonso bazana bisika wana. Bandima liteya ya bantoma. Batanga na Bible pona ko vérifier ba pratique nyonso ezo salama na mangomba na bango ba pratique ba mungwa ba pratique ba prophétie ya lukuta
ba pratique ko kabola ka ba famille na ba vision ko kabola bando ki tout consort ba pratique ba mbongo ezo salama ba tanga na bible est-ce que salama ka tu salama ka te so ki o moni ke bisiko zali ba zo respecter pratique ya banto mate ba za ko respecter ce que le ba, ba geste na bango te mate na bango te bima. Donc, bima, na kati na bango, babike, sortez du milieu de Babylone. Parce que batu nyonso, et ça la bonne bise, tu as un groupe de prière, tu as une église catholique, tu as une église de réveil. Aussi longtemps que bozo mi kiti sate, li bozo bansema, bobakisi makani sename, na basi kote. Bisika nyonso moni basi bazo te, basi bazo kamba. Bango nyonso na zo te ya bango. Bandimela l'enseignement de Jésus laissé chez les apôtres et comme ça bango ba saint na so benga bango ba ya bisika moko boete et siko zali soko nimeka évangile de la vérité l'évangile éternel yango moko okamba yo bisika no kende ko yokango. Moi je ne prêche pas que les gens viennent là où nous sommes, mais nous disons aux gens d'accepter le vrai évangile. Ya komiti kaka batu bakomi lelo kolanda ka batu batu bazolanda batei batu bazolanda mangomba bazolanda babikolo sortez de ça, c'est tout ce que je peux dire. Docteur Carlo, merci beaucoup. Lelo tomekaki ko brosser assemblée des saints malheureux koya tokobanda kozwa siko baptême to appliquer on a message des saints, mais yo retena kate bisiko yo adresse yo te adresse na bino za on na na yo lot non il faut retena ka bien église des saints sur l'université 83, église du Congo 80 Nayolo Sud, Koto Tozali limité. Donc sur l'université Nakapela de. Donc tant aux Zolo Bango, et ça pour frère Moko Akoko Zalazo Mitungisama. Aya kotuna nga ba question. Ko yo alinga mona docteur Kalo. Amona ba sœur ya docteur Kalo selon la Bible. Ba sœur ya docteur Kalo bazate. Moto alinga moto alinga mona assemblée des saints. Mon université, avenue Université Oekendati Rompengaba, numéro 82, Kapela 2. 83, Kapela 2. Donc, au Leki Kaka sorti à Kapela, comment vous allez Kapela 2, au Talina Loboko Nayo, il y a moi aussi toi, Mobali. Au Kotuna Kessona. Au Kotuna Assemblée des Saints, et Zaliwana, au Kotuna Kotuna Bango, au Kotuna Mituna Soto Lingi. Docteur Kalo, Mbala Simato Zorabatem, ce qu'on doit appliquer un message. Zaliwana Mbala Simato, il y a la personne de Jésus. Yeso Amoto. À mon ensemble, à prophète, à Anani, on va expliquer que nous sommes en assemblée des saints. Et puis, on va aborder la question du ministère, il y a moi aussi. Bible, il a fait de nous tous l'assemblée des sacrificateurs. Un sacerdoce royal, un sacrificateur. Il y a 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 un sacrificateur. Bochabasi na sima balambe la bino fufu na mudibu dibu na mumpala balambe la bino fufu na mudibu dibu basi bara na repo eloko akosala te mbala sima tokozonga la tokomega na okoloba ministère basi parce que assemblée ngo dessin tala baluba baka bakabunda bamutombo bachilombo banani bamemi culture na banga baluba bamemi ona mamanzamba mbala sima tokomega kwa bonde wa kesa yeba assemblée des saints, assemblée des saints des saints en Équateur. Ezaka baluba te. Ezana kinga kisa. Ezana na monde ezaka baluba te. Mingi ba ndima ke prédominance ça baluba ezaka même moi makasi. Nde oyo kutana na bango. Mais okukutana na ba mususu bazana na bango baluba. Nete ba bavandi wana. Baluba na bitso bazaka kombiana na zate. Peut-être amuluba zate. Na oni somoni wana. Tombe au sol la semaine prochaine. Na o tomba la sima. Madame monsieur, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir qu'on parlait de l'évangile éternel de l'église des saints. Et ça a été un grand plaisir. Je dis merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Giscard, Djoko, Josué et les boss, Georges, Gan, Nzumba, étaient là pour nous aider. Je vous retrouve là lors du prochain numéro. Merci et bonne suite de programme chez vous. Au revoir.